trop fait succès, il y a quelque chose d'intéressant. Découvrez tous les parachutages. Il y en a un paquet, il y en a 26 et vous en avez partout sur la carte. Et vous avez une dernière zone de la map où vous en avez extrêmement beaucoup. Tout de suite, on va regarder où ils sont et comment y accéder, parce que la plupart du temps, ils sont en hauteur, donc il va falloir plutôt avancer dans le jeu. Enfin, moi, de toute manière, je vous conseillerais globalement de faire le jeu et de partir à la chasse au collectible. Après, bon, à part les trois premiers objets, qui est un peu une connerie, trois premiers mementos du prologue, tout le reste peut se faire. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pu tout faire une fois que j'ai terminé le jeu. Donc, augmentez bien toutes vos compétences, ce soit en parcours, en endurance, votre parachute également, votre grappin, pour pouvoir accéder sans trop d'embêtement à ces zones souvent difficilement accessibles. Alors, premier objectif, on est au niveau du camp de Jack and Joe. Je me demande ce qui se passe si on si on n'a pas pris le camp, ça va être beaucoup plus compliqué, ça a l'air d'être là-haut. Alors, lors de ma première approche, je me suis dit, mais merde, à mon avis, il nous faut des compétences spéciales pour pouvoir avoir accès à certaines zones. En fait, en faisant le tour, je suis rendu compte que peut-être que non, donc on va tenter notre chance. La clé, en fait, c'est tous les trucs rouges qu'on voit là, qui sont des voies pour pouvoir grimper. Et en fait, l'objectif, ça va être de tourner tout autour du bâtiment pour avoir accès. Sachant que je pense que si on a des... Par contre, ouais, y a quand même beaucoup de possibilités de se péter la gueule. Je pense que si on a des compétences de saut particulières, il y a moyen d'aller un peu plus vite. Comme peut-être si on est capable de sauter sur un mur, de gagner du temps. Bon. Je ne suis pas encore là, donc on va faire la voie classique. Voilà. Là, c'est scabreux ces trucs-là parce que. Notamment celui-là qui est tout petit. C'est le pire du pire. Hein. Je sais pas si. Ah, super. Voilà notre récompense. C'est pas ici, apparemment. Ah, super! Ah, et je suis sûr qu'il nous a baisé en plus. Bon, heureusement, on a un parachute de l'armée ici. C'est un jumitard. Utilisez la tech pour améliorer vos outils et autres. Ah, pas mal, pas mal. On n'aura pas tout perdu au moins. Alors, deuxième site. Lui, par contre, il a fallu que j'attende un petit peu. Au niveau des compétences, par de l'endurance et notamment des points pour pouvoir faire une course contre un mur, parce qu'à un moment donné j'ai le sentiment que je vais avoir besoin, notamment là vous voyez le mur vertical, pour pouvoir grimper. On va se lancer, on va commencer par attaquer le zone sur le côté. Voilà, parti de côté, c'était pas voulu.
Voilà. Donc toute cette partie-là, ça paraît facile dans le jeu, mais... Si j'avais pas eu ce... Alors je l'ai mis jusqu'au max, j'ai pas essayé avant. Mais j'ai attendu d'avoir les deux niveaux pour le tenter, franchement ça s'est fait très bien. Bon maintenant notre récompense. Et là y'a rien. Faire hurler. Et elle est où cette arme? Putain, je fous ma gueule. Ce cinglé a quelques explications à me donner. Je sais pas si je peux accéder. On va le tenter le saut. Hein. Pas le générateur, tiens. Ah d'accord, ça c'est pour la planque. Ça fait un bon havre de paix ici, hein, parce qu'on est bien... Personne viendra nous emmerder ici. Hein. Je pense même sans le générateur... Je peux aller jusque là. Jusqu'au bout, j'y ai pas cru. Hein. Parachute militaire. Alors l'un des moyens pour y accéder, ici vous allez faire le moulin des cèdres. Bon, l'accès ici est pas forcément compliqué parce qu'on peut monter assez facilement une fois qu'on est là-haut. Avec notre petit parapente, on arrive là. J'ai pas regardé hein, si la cathédrale en soi est difficile d'accès, mais elle semble assez haute. Moulin avant épicé. Alors attention, vous avez besoin d'une grande quantité d'endurance. Vous avez tout un système ici entre cette poulie là. Vous avez un générateur pour arrêter l'autre. On va utiliser une autre astuce parce que j'ai pas encore les 400 d'endurance. On va utiliser le bâtiment qui est à côté, qui le surplombe, qui va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur. Là, on est à peu près au même niveau. Hein. Suite. On va se tourner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de... descendre, c'est de grimper. Voilà. Au passage. Comme bandit. Les gangsters, centre-ville. On a un parachute militaire. Alors faut déjà grimper un petit peu. Je l'ai fait dans la mission des bandits. Maintenant, faut qu'on grimpe encore plus haut si on veut. Parachute.
Par contre, le coup du missile qui a explosé et qui a mis de la poussière partout va pas nous aider. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Merde, c'est dans l'autre sens que ça nous... C'est censé peut-être nous aider. Je sais pas pour l'instant. Est-ce que je peux grimper là? Ouais, si. Non, si c'est bon, ça va m'aider. Ou pas. Putain. Faut plutôt que je fasse comme ça. Ok. Là, je peux sortir. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. On a monté, hein. Quand on voit le toit, ça sent... Ça sent bon. Est-ce que c'est avec ça que je peux... C'est risqué, je trouve. Wow. Heureusement que j'ai des sacrées capacités de grimpeur. Alors, on va avoir inhibiteur. Oh mon dieu. Je suis en PLS, je vais plus prendre. Tech militaire. Voilà. Alors, direction la tour. Alors ici, il y a une zipline qui nous permet de monter ici. Là, il y a une couchette et autres. Et on va pouvoir utiliser l'ascenseur. Ça monte, ça monte. Alors d'ici maintenant, on va c'est le parachute. On devrait avoir suffisamment de surplomb. Alors bien sûr, il faut avoir fait la mission de l'histoire principale. J'aimerais bien avoir le spot quand même pour être sûr de bien viser. Puis on peut pas mettre le mode map. Je fais le parachute d'ici. Conteneur d'inhibiteur détecté. J'ai pas trouvé d'autres moyens d'accéder à ce truc en faisant ça, parce que du bas vers le haut, à un moment donné on se retrouve bloqué sur la technologie militaire, très important. Voilà, l'important c'est ici, et on saute là-bas.
Parachute, alors attention, on nous demande un niveau d'endurance de 500. Par contre, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir autant. Du moment où on a parapente et quelques vents ascendants. D'essayer d'accéder au bâtiment d'en face qui est à peu près à la même hauteur. On n'aura plus qu'à sauter de l'un à l'autre. Voilà, le bâtiment est en face de nous. La récompense. Je l'ai vu. Compte bandit, les gangsters, centre-ville. On a un parachute militaire. Alors faut déjà grimper un petit peu. Je l'ai fait dans le. Dans la mission des bandits. Maintenant, faut qu'on grimpe encore plus haut si on veut. Parachute. Par contre le coup du missile qui a explosé et qui a mis de la poussière partout va pas nous aider. C'est dans l'autre sens que ça nous. C'est censé peut-être nous aider. Je sais pas pour l'instant. Est-ce que je peux grimper là? Ouais, si. Non, si c'est bon, ça va m'aider. Ou pas. Putain. Faut plutôt que je fasse comme ça. Sortir. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. On a monté, hein. Quand on voit le toit, ça sent bon. Est-ce que c'est avec ça que je peux? C'est risqué, je trouve. Wow. Alors, heureusement que j'ai des sacrées capacités de grimpeur. Okay. Alors, on va avoir inhibiteur. Oh mon dieu. Je suis en PLS, s'il vous plaît. Tech militaire. Tour 26, alors je risque très souvent de remonter là-haut parce que ça nous permet d'avoir accès à tout un tas d'endroits. Une fois qu'on a fait la tour 26 dans le cadre de l'histoire, on peut prendre un ascenseur. Alors attention, quand il est en position haut, par exemple là il est en haut, je vais descendre. La prochaine fois que je vais remonter, il va falloir appuyer sur le bouton, il va falloir attendre 3 heures qu'il descende. Et puis pareil, pour monter c'est relativement long, mais ça nous permet, une fois arrivé là-haut, de pouvoir atteindre beaucoup d'endroits, et notamment, là on voit... des parachutes militaires.
Voilà, celui est à 191 mètres, ici. On va pouvoir y accéder facilement. Je pense pas qu'il y ait d'autres moyens de pouvoir atteindre ces lieux. Conteneur d'inhibiteur détecté. Non, plus un inhibiteur. Inhibiteur, impeccable. Technologie militaire. De toute façon, je vais pouvoir accéder à l'autre. C'est parti. Ça me semble tout à fait faisable. Hein. Espérons qu'il y en ait pour un autre à choper de manière préférentielle. C'est pas grave, on montrera en notre tour. Quand des bandits là-haut. Pas d'inhibiteur cette fois-ci. Alors, objectif, le radio-relais médical Saint-Joseph, il y a également un parachute, équipement militaire, pas très loin. Alors bien sûr, le premier objectif, c'est de se rendre toute la zone. Il faut déjà s'en approcher avant même de vouloir, parce que la zone est très très haute. Forte chance qu'il y ait un conteneur d'inhibiteur parce que la distance du parachute est... correspond. Alors, inutile de dire qu'il vaut mieux avoir une bonne jauge d'endurance pour s'attaquer. Ça. On aura de la tech militaire. Première étape réussie. Technologie militaire. On va faire, on va comme souvent céder des bâtiments qui sont à côté, prendre un peu de hauteur et accéder à des zones qu'on n'a pas naturellement accès. Alors j'ai mon parapente qui est amélioré au max, hein. C'est pour ça que j'ai des petits coups de boost qui me permettent non seulement d'avancer mais des fois de prendre légèrement de la hauteur. Très très pratique. C'est notamment avec la technologie militaire ici que j'ai pu améliorer mon parapente. Un de plus. Ancienne tour de communication dans la région centre-ville. Alors, ce qu'on va faire, on va l'attaquer sur le côté, comme ça.
On peut voir, il y a un parachute également ici. Ce qui nous intéresse, c'est la tyrolienne qui va nous aider à... Déjà monté d'une bonne moitié de hauteur. Ici. On va utiliser le tremplin et ouvrir notre parachute tout de suite. Il y a une espèce de vent qui nous pousse et nous aide à atteindre déjà le parachute militaire. Déjà, c'est fait. Alors, nouveau parachute. On peut voir qu'on a un inhibiteur. Ça tombe bien, il nous en reste plus beaucoup. Alors, celui-là, bah, comme souvent, on va monter en haut de la tour VNC. Donc, il faut avoir avancé relativement loin dans le jeu pour pouvoir y accéder. Une fois qu'on est tout en haut, on le vise et puis on va utiliser notre parapente. Alors, on en avait déjà chopé un auparavant. Qui était juste là. Là, on va se laisser glisser gentiment. Enfin, je passe attention quand même, il est relativement loin. Alors, au besoin, je peux le faire en deux temps si je veux assurer. Je pense que. Voilà, je pense que ça peut le faire, mais je vais assurer. Cette tour-là est suffisamment haute. Pour pouvoir puis j'ai amélioré mon parapente au maximum, donc je peux un petit peu me surélever en même temps que j'avance. Ah, attention, ce type d'inhibiteur n'apparaît pas avec les antennes. Ils sont censés les faire apparaître. Un peu la vacherie. Alors c'est marrant parce qu'ils annoncent un inhibiteur et j'en trouve pas. Mince, déception. Ah ouais, on nous a menti, non? On nous ment, j'aime pas ça. Alors, toujours à la recherche de mes inhibiteurs, et en fait, j'ai trouvé un parachute dans l'or. On a trouvé plein de caisses d'inhibiteurs là-dedans. Je l'ai traversé à la mer, et ces petits malins en ont caché. Puis pour l'inhibiteur, en fait, je pense que c'est plutôt aléatoire. Je pensais, j'étais sûr d'en avoir, hein. J'étais tellement... tellement content. Là, il y a des ennuis. Tellement content d'éventuellement trouver ce qui me manquait que je me suis un peu emballé. Bon, il va falloir jouer du crochet. Je crois en plus avoir vu qu'il était de difficulté légendaire. Ça va pas nous aider. Hein. Bon, ça va, on a du souffle. Voilà, on va continuer de draguer le fond de l'eau. C'est vache hein, d'en avoir mis là-dedans. Et bah, visiblement, ils en ont mis d'autres. À l'intérieur des structures des bâtiments. Par contre, je pense que j'aurais pas d'inhibiteur parce que les autres avaient été détectés. Même si c'est vrai que les caches inhibiteurs, ça s'ouvre pas de la même manière. Le loot est chouette. Hein. Le loot est très très chouette.
encore un. Ici, on était très fort. Hein. Pour l'instant, ça tourne toujours dans les bâtiments. À part le premier qu'on a. C'était qui était un peu en marge. De toute façon, va falloir draguer tout le. Toute la zone. Hein. C'est... Vaut mieux avoir une bonne endurance. Décidément. Les cavernes d'Ali Baba, cette zone. Puis vous avez même des petites caisses classiques qui peuvent apparaître. Où je peux retomber sur mes. Là où il y avait mes trucs d'inhibiteurs, parce que normalement il y a du loot qui revient. Comme elles sont pas marquées, c'est vraiment dommage que les inhibiteurs soient pas identifiés, cochés sur la map, ça. Ça serait sympa. De ce côté là, non. Si on a poussé un petit peu plus loin, bon, on reviendra dans les bâtiments. Je n'ai pas encore tout visité, j'en ai visité certains. Mais... La chance, non. Ça a été plutôt rapide. Hein. Ouais, bon. Il y a eu mieux, hein. Ah, ah dis donc, il y a une paire de baskets qui est droppée juste après. Bon, j'avais été par là et ici, j'avais rien trouvé. Visiblement, ce coin-là mérite qu'on s'y attarde. Hein. Ah, c'est marrant, dans cette zone, il y a autant de parachutes que sur tout le reste de la map. Un truc de dingue. C'est marrant parce que la première caisse, c'est en regardant avec mes jumelles que je l'ai... je l'ai détecté. Je ne suis même plus étonné. Paquet, hein.
quasiment bon dès le début. Encore un. Alors lui par contre il n'y a pas eu droit, c'est comme lui, ils ont été vilains. Ils n'ont pas eu droit à leur parachute. Hein. Finir par péter le truc. Hein. Alors je m'étais trompé, finalement cette maison là a droit à son petit parachute. Alors c'est vrai que d'habitude ils sont plutôt centrés au milieu. En continuant l'exploration. Encore tombé sur un. Il y a quelque chose d'intéressant. Ah, ça serait bien le dernier. Bah, dis donc. J'ai pas compté combien il y en avait avant et ici, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Il y en a que, au moins la moitié dans cette zone par rapport au reste. Hein. Enfin, ou en tout cas, pas loin de la moitié parce que les autres sont vraiment parsemés. Mais bon, bah, content de l'avoir eu. Par contre, il me manque toujours mes inhibiteurs, donc je vais continuer mes recherches. Hein. Très sympa cette zone. Hein. Il y avait je sais plus combien d'inhibiteurs, au moins 6, 5 ou 6. Puis alors là, les parachutes, ça fait mal. Hein.